Il n'est plus président de la République, mais il est, semble-t-il, président d'honneur à vie au Salon de l'agriculture. Jacques Chirac était très attendu aujourd'hui à la porte de Versailles. Et vous allez voir qu'au contact des animaux et des agriculteurs, la bête politique n'a pas perdu ses habitudes. Reportage Hélène Hugues, Samuel Humez. Attendu comme la superstar du Salon de l'agriculture, Jacques Chirac est ici en terrain connu et ami. Bonjour. C'est pas moi qui suis populaire, c'est l'agriculture. Toujours le même salut jovial, toujours le même appétit, toujours la même envie d'aller au contact. Merci beaucoup et tous mes voeux de réussite et de bonheur, notamment pour les jeunes filles. La meilleure pomme du monde. Tous les produits du terroir sont à son goût. Ils sont les meilleurs du monde. D'un stand à l'autre, Jacques Chirac ne goûte pas son plaisir. D'ailleurs, quand je vais au restaurant, on ne me demande même pas ce que je veux boire, on m'amène tout de suite une bouteille de bière. La Réunion. Passage par le stand des dom-toms, un petit verre de rhum, et le voilà reparti vers les bovins. Vous n'avez jamais d'indigestion au salon? Comment? Vous n'avez jamais d'indigestion au salon? Comment vous faites? Non, mais j'aime beaucoup les produits de la ferme, moi. Ici, il marque sa préférence pour sa terre d'élection. Les Normandes, c'est très très bien, hein, c'est juste en dessous des Limousines. Il a toujours été proche de l'agriculture. Contrairement peut-être au président d'aujourd'hui qui est un peu plus né en ville. Voilà. Mais Jacques Chirac ne dira mot sur son successeur, une règle qu'il s'est imposée depuis son départ de l'Élysée. À propos du monde agricole,